Moi. Ok, ça déconne zéro. Nous allons balayer la révolte au nom du maître. Elle essaie de siphonner l'anima. Vite, la fiole. Décisive. Retrouvons-nous devant Combé Froid. Bien. Je vous écoute. Et je n'oublierai pas. Nous resterons à l'affût. La chasse d'abnégation. Très bien. Rien n'est encore gagné, MDG Normand. Si le prince renégat ne revient pas, notre défaite est inéluctable. La dernière fois qu'on l'a vu, il participait au siège du donjon du maître aux côtés du duc Théotard. Nous ignorons ce qu'il est devenu, mais nous avons découvert que le duc a été banni dans la province des Braises. C'est une terre de perdition ravagée par la lumière où la démence et la torture règnent sans partage. C'est là-bas que le maître envoie ses pires ennemis, les livrant ainsi à des tourments éternels. Au rendez-vous dans la province des Braises, trouvez Théotard et découvrez ce qu'il est advenu du prince. Parler à tête de Caillasse. Ok. Je sens le prince Rénatal, la révolte est condamnée à l'échec. Trouvez le duc Théotard dans la province des Braises. Lui seul sait ce qu'il est advenu du prince. D'accord. Alors ça, je sais pas si... Parce que vous savez, j'ai eu un crash du PC en visitant par là. D'ailleurs, j'ai pas visité toute la carte, hein, du coup. Mais j'ai vu que j'avais eu un crash complet. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Il y a une espèce de gardien qui nous saisit quand on s'en approche. Mais qui est pas forcément méchant, quoi. Voilà. Voilà, il nous saisit et puis on peut lui parler. Province des Braises, sûrement pour mauvaise graine. Tête de Caillasse vous regarde en plissant les yeux et secoue la tête. Vous, pas ressembler à mauvaise graine, venir avec mauvais papier, contrefaire des documents officiels, vous condamnant à la province des Braises. Ok. Vous êtes pas copain nul, vous êtes copain bien. D'accord.
Alors par contre, les personnages avec des barres grises, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Parce que les verts c'est allié, orange c'est neutre, et rouge c'est ennemi hostile. Mais les gris c'est quoi? Oh, ils sont hostiles. Ah si, les barres grises, c'est qu'ils rapportent pas d'expérience. Pour la version, il y avait ça. C'est quand on attaquait un ennemi alors qu'un joueur l'avait déjà attaqué, il était en gris, parce qu'il rapportait pas d'XP. Ouais, donc il pourrait rien rapporter ou quoi. Ouh, qu'est-ce que j'ai looté là? J'ai l'air d'avoir looté un gros truc. Sympa le joueur. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je dois rédiger. Pour ça, apparemment, j'ai un script là. Oh, bordel. Non, j'ai cru qu'il était mort à l'instant. Prolongation. Condamné pour... écrire un faux nom. Nombre de crimes. Oh putain. Hop, hop. Son nom. Insulter le maître. Bordel. Et ce bug qui me fait chier. Putain. Oh mais merde. Oh bah je suis mort.
Chut. Non mais ça, c'est pas possible de faire ça. Oh, cet enfer. Attendez, puis je suis paumé du coup là. D'accord, je suis de l'autre côté du rempart. Ok, alors. Un faux nom. J'ai insulté le maître. Tant qu'il ne se pardonne pas. Même si je meurs, c'est pas grave, au moins je me tire. Mais je suis sûr que j'ai rédigé un truc, mais en fait il sait pas lire, donc j'aurais pu mettre n'importe quoi. Papier avec joli tampon et mots compliqués. Bien sûr, moi, c'est lire ça. Et ça dit tout comme qu'est-ce que vous dites. Tombez bombe. Smergol? Tu veux du poisson? Bonjour, c'est court, c'est pour la cour. Oula, t'es cringe, frérot. Cet être pitoyable qui n'a plus de ventir que le nom marmonne des paroles incohérentes tout en lacérant le sol de ses griffes. Soudain, la créature lève la tête et pointe un doigt vers vous. Un adversaire sans travers ne peut être fier sans tirer le fer. Elle semble attendre une réponse de votre part. D'état d'éclat, en plein litre, éveil ou vieille veille. Pas de trac, pas de trac à la traque. La maison mal aisée, mal aisée. La maison des raisons, des raisons. Bon, on va le suivre. Hein? Oui, non, mais c'est ça, faut que je le suive. Va quand même se défendre. Je n'aime pas cet endroit.
C'est vous, Tubbins? Vous avez bien eu mon message? Oh, mais vous n'êtes pas Tubbins? Pardonnez mon impolitesse. D'accord, j'ai l'impression qu'ils sont tous de mufumis. Une petite tasse de thé. Thé ou tard? Très bien. Quelle chavirante conversation! Je m'en souviendrai pour l'éternité. Ok. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. J'étais sorti faire ma promenade quotidienne quand le marquis de Martel et sa bande me sont tombés dessus. Je vous passe les détails de leur scabreuse exaction. Mais figurez-vous qu'ils sont allés jusqu'à détruire mon parasol, les maudits. Non, les marauds, pardon. Les marauds. Vous imaginez, c'est une véritable tragédie. Sans lui, je suis à la merci de la lumière atroce qui ravage ces terres. Le marquis a élu domicile non loin d'ici, dans un refuge ombragé qui fait l'objet de toutes les convoitises. Puis-je compter sur vous pour venger mon parasol et enseigner les bonnes manières à ces misérables? Vous avez déjà vu une goule descendre. Ces pauvres créatures rampent à même le sol en sautant sur tout ce qui bouge. Pire encore, elles sont incapables de se tenir correctement à table. Voilà le triste sort qui attend tous les vampires après une exposition prolongée à la lumière. La douleur atroce qui en résulte brise d'abord notre volonté, puis notre esprit et enfin notre corps. Cependant, si l'on réagit assez tôt, il est possible d'inverser le phénomène. Malheureusement, il est bien trop tard pour les goules restées prisonnières de ce cratère consumé par la lumière. La seule chose que l'on puisse faire, c'est abréger leur calvaire. Oh, c'est l'occultrice, c'est l'accusatrice qui vous envoie, quelle chance. Pour tout vous dire, je sais ce qui est devenu le prince Renatal, du moins en partie. Lorsque notre assaut contre le donjon du maître a échoué, nous avons tous deux été faits prisonniers. Pour ma part, j'ai été condamné à l'exil dans la province des Braises. Mais le prince, lui, a été emmené à la tombe vice. Depuis, je cherche désespérément un moyen de fuir ce lieu de perdition afin de le rejoindre, mais cette lumière atroce m'empêche de réfléchir. Avant, je pouvais compter sur mon fidèle parasol pour me protéger, mais ces roufiants l'ont détruit. Aidez-moi à le réparer et nous irons trouver le prince ensemble. Découvrez un je vous demande pardon à l'avance pour ce que je vais devenir. Ceux de mon espèce supportent mal la lumière. Bordel, d'accord, ok. Là, tapis à l'abri, là, tapis à l'abri, dans les ténèbres. Vos yeux vont tomber en poussière. Quoi le principal? Ouais, c'est ça. Oh la vache. Ah d'accord, il tape quoi. Je retrouve l'espoir.
Ici, apparemment, c'est l'heure d'aller. Il est à l'ombre. Bon, allez, c'est parti. Ah, un instant de répit. Il me faut une cible. C'est pas ce que je pensais. Veuillez pardonner ma tenue. Oh, je suis terriblement mal coiffé. Oh, je n'en peux plus. Tout me brûle. Tout. Un instant de répit. Merci. T'as l'air pas feuille qui me suivent. Il aurait pas fallu qu'ils me suivent. Ah, un instant de répit. Ah, un instant de répit. Merci. D'accord, ce truc peut one shot. Faisons un petit tour. Alors si ça, c'est bon à savoir. Donc on va toujours en garder un. Si vous trouvez ma théière, c'est noir. Je retrouve l'espoir. Bon, ok. Vos yeux vont tomber en poussière. Non, ici, il est plus long. Noir, c'est noir. Je retrouve l'espoir. Ok, vite, vite. C'est noir. Tombé en poussière. Je retrouve l'espoir. Bordel. Si vous découvrez la chemise, brûlez-la. Je n'ai pas de fille. Pourquoi ? Non. Voilà. Bordel, il me reste 4 objets à trouver et il est quasiment capote. Il m'en faut encore 3. Là-bas. Ah, noir, c'est noir. Thank you.
Ah, il a quasiment plus de volonté, c'est mort. Ah, un instant. Maudite sois-tu, lumière! Maudite sois-tu, lumière! On parle d'elle. Ah, noir, c'est noir. Je retrouve l'espoir. Ok. Rien n'a d'importance. Je dois d'abord. Seul compte. Ah, la douleur éternelle. Il me faut une cible. Je peux pas avoir la. Ah, c'est mort, il a quasiment plus aucune volonté, c'est mort. Vos cieux vont tomber en poussière. Oh, quel arôme exquis! Hanté, vous seriez un délice. Fou, oui, mais mal élevé, jamais. Si vous découvrez mon ombrelle, mettez-la à l'ombre. Bah d'accord, ils sont vraiment en train de devenir fous, quoi, c'est... Bon. Maudit noir. Ah, un instant de répit. Maudite sois-tu, lumière. Bon, ça va, ça n'a pas l'air d'être si scripté que ça. Même sans volonté, il... Ah, un instant de répit. Ah, merci. Ah, un instant de... Ah, noir, c'est noir. Je retrouve l'espoir. Ah, oh, cette lumière-là, tapis à l'abri, dans les ténèbres. Désolé mec, il va falloir traverser. Ah, noir, c'est noir. Je retrouve l'espoir. Ah, là, tapis à l'abri. C'est bon. Bon, oh, que ce soit bien clair entre nous. Je ne tolérerai aucune supercherie. Sauf si tu veux jouer aussi. Et bien des choses à vous aussi. C'est un bonheur de vous voir sans entrave. Je sais pas trop comment restaurer sa volonté, mais... Bon. Là, tapis à l'abri. Là, tapis à l'abri. Ah, noir, c'est noir. Je retrouve l'espoir. Là, tapis à l'abri. Retournez à la lumière, misérable. Non, mec. Voilà qui devrait vous apprendre un peu les bonnes manières. Ça me rappelle une musique. L'exposition à la lumière a rendu Théodore incapable de formuler des phrases cohérentes. Au lieu de nous indiquer le chemin de son refuge, il marmonne des paroles incompréhensibles tout en désignant des directions aléatoires. Égaré, turbin, en retard pour le thé. Vous allez devoir vous débrouiller autrement pour trouver le refuge de Théodore. Oh, vous partez? J'avais toutes les intentions de mettre fin à la conversation. Là, tapis à l'abri, dans les ténèbres. À mon avis, c'est calculé. C'est calculé pour qu'on puisse pas... Tapis à l'abri, dans les ténèbres. Ah, là, tapis à l'abri,
dans les... Ah, un instant de répit. Merci. Lumière éclair, mes lumières incendiaires. Ah. D'accord. Cerbère en pierre, opère à terre. Ah, un instant de répit. Merci. La paire au repère. Lumière fait mal à Théotard. Dubbins et Gubbins peuvent aider. T va faire partir méchante lumière. Oui, je crois aussi qu'une pause T s'impose. Ok. Dubbins sait tout faire. Dubbins fatigué. Théotard montrait Tubine ce thé spécial chasse-lumière. Tubine bien faire le thé. Regardez Tubine apaiser Théotard. Alors Tubine content aussi. Et dit Tubine ça préparait le thé spécial pour guérir Théotard. Moi aussi très occupé. Ok. Trop parlé, mal à la tête. Vous, repos, Dubbins fait thé. Thé bon pour faire que Théotard est content. Content, c'est bien. Réfléchis. Trois fois d'équipe. Ah d'accord, ok. Oh bordel, d'accord, ok. Trois fois d'équipe. Oh bordel, d'accord, ok. Oh, c'est... Trois fois d'équipe. Ok. Quatre fois des cailloux pourris. Bordel, j'en ai qu'un. Des cailloux pourris. J'en ai deux. C'est bon. Deux fois des boues qui brûlent. Deux fois des boues qui brûlent. Une fois du bois méchant. Ah d'accord, ok, bon. Comme tous les doigts des pics qui piquent. Bordel. Comme
comme tous les doigts des pics qui piquent. Allez, il me reste 4. Comme tous les doigts des pics qui piquent. Je crois que j'ai. C'est bon. Et pour dernier, c'était hier. Vous allez, Tobin s'est fatigué. De l'ombre liquide. C'est ça? Bouillant, bouillant. C'est pas bon. Mais Théotard a dit toujours maître. Bouillant, bouillant. C'est pas bon. C'est moi qui est plus beau. Tobin's fatigué. T est toujours bon pour Théotard. Debout là-dedans. Oh. Oh. Noir, c'est noir. Je retrouve l'espoir. Oh, mon cher Tobin's, ces nouveaux parfums délirants rendent presque la douleur supportable. Gubbins, j'imagine que mon parasol est réparé à présent. Oui, Gubbins, bien travaillé. Mais oui, mon ami, mieux que la plupart. Alors, si c'est de moi que tu parles, je t'en kikine. Fou, oui, mais mal élevé, jamais. J'espère ne pas avoir été trop désagréable sous l'influence de la lumière. Je fais tout mon possible pour me montrer affable, mais la douleur qui en résulte est démentielle. Enfin bref, ce thé m'a fait le plus grand bien. La dernière fois que j'ai vu le prince Renatal, le maître l'emmenait dans la grande tour qui surplombe la province des Braises. Aidé de quelques compagnons d'infortune, j'ai longtemps cherché un passage permettant d'y accéder, mais je me suis heurté à un certain nombre d'obstacles, dirons-nous. Quand vous serez prêt à y aller, je vais jusqu'à notre quartier général, improviser le sanctuaire du fou. Escorter Théotard jusqu'au sanctuaire du fou. Okay. Si vous trouvez ma théière, buvez un coup. Si vous découvrez Malenchin en linceul. Ah, quelle belle journée pour une petite promenade. Vous vous joignez à nous, ma chère Sibylle. Le tour viendra quand l'effet prendra. L'âme apprendra. Excellente nouvelle. Prenons l'itinéraire touristique. Ok. Touristique, hein. Ah, Tobin's, servez-nous donc le thé en attendant. Projet sérieusement. Oh, oh, te voilà, Cloque Douce. Brave chien. Attends, je vais te remettre sur pattes.
Ah, Tubbins. On voit le repère de ces ruffians, là-haut sur la colline. L'asile dévoilé. Vaguement absent et vigilant, indolent, dans l'arrière-plan. On dirait qu'ils envoient un nouvel émissaire nous accueillir. Oh, comme de coutume. Ouais. C'est vrai qu'il est joli, hein? Merci de le faire remarquer, cher Marquis. C'était une promenade fort rafraîchissante. Vous n'auriez pas dû quitter votre joli petit sanctuaire. Le n'est plus très loin. Laissez-moi gérer. Oh, c'est vrai qu'il est joli, hein? Merci de le faire remarquer, cher Marquis. Ah, Tubbins, servez-nous donc le thé en attendant. En attendant quoi? C'est quoi, c'est les singes, le problème? Ah, Tubbins, servez-nous donc le thé en attendant. Ensemble. À mon avis, c'est scripté encore moyennement. Hein. Ravenreff, ça aurait été vraiment la partie la moins bien scriptée de... Vice, supplice. Lys, Is, justice. Cuisse, Lys. Nous sommes avec elle, oui. Merci. Okay. Nom d'un brasier. Quelle joie de vous revoir, Sibyl. Oh, j'adore les grandes retrouvailles. Tournée générale de thé. Ouais, du thé. Non, oh, quel arôme exquis. En thé, vous seriez un délice. Vous devez continuer cette promenade sans moi, MDG Normand. Attendez, excusez-moi, juste un truc, je check mon téléphone, ok. Vous devez continuer cette promenade sans moi, MDG Normand. Mes compatriotes et moi bénéficions d'un accès sécurisé à l'ascenseur qui mène à Tombis, mais nous ne pouvons pas l'utiliser, nous ne pouvons plus l'utiliser. Le maître a braqué un gigantesque rayon de lumière au pied de l'ascenseur. Les Ventis qui s'en approchent sont réduits en poussière. Les Purotins que nous avons envoyés en haut ne sont pas revenus. Nous avons besoin d'une personne capable de marcher dans la lumière pour découvrir ce qui se trame là-haut. Dame Sibyl va vous montrer la voie. Oh,
Vous partez. J'avais toutes les intentions de mettre fin à la conversation. Bien sûr. Quel séisme! Un beau prisme! Zut. Non, bah je vais redescendre. Que je le récupère, quoi, parce que je viens de le voir. C'est pas grave. Voilà, bon. Excusez-moi, c'est juste que voilà, au moins ou là. Décidément, ils sont increvables entre les vives pierres, les gargons et les démons de pierre. On n'en voit jamais le bout, faut pas traîner. Ils montent la garde en permanence. Qu'est-ce qu'on indique le ciel? Vulcan m'a dit de suivre ce rayon de lumière dans le ciel. Il mène à la tour gardée par une grosse brute. J'ai même pas pu mettre le pied à l'intérieur. Le maître nous regarde tout le temps. Oula, j'aime pas genre ça. Ouais, m'en doutez. On doutait que ça blesserait ça. Et en plus, c'est pas la bonne voie. Bon. Oh, salut. Non, tu reviens. Et tu reviens vite. J'ai réussi à m'en sortir.
C'est bon. Bon, je suis de retour full vie. Bon. Où est ma cible ? Là-bas, visiblement. Je dois m'approcher. C'est bon. Heureusement que l'autre joueur s'en est vachement occupé. D'accord. Ok, il faut que je monte. Je sais pas trop. Ok. Ah dommage, 1 minute 20 pour... Oh c'est bon, c'est juste à côté.
Que ce soit bien clair entre nous, je ne tolérerai aucune supercherie, sauf si je peux jouer aussi. Si vous découvrez mon ombrelle, mettez-la à l'ombre. Nous y voilà, tombe vice. Aux dernières nouvelles, le prince Renatal et ses plus fidèles partisans ont été conduits ici, pieds et poings liés, à la demande du maître. Cependant, c'est un lieu interdit au plus grand nombre, nimbé de mystère et faisant l'objet de bien des rumeurs. On raconte que c'est autrefois le laboratoire de Denatrius qui y menait ses expériences impies. Il y aurait matière à mener l'enquête, mais nous sommes ici pour trouver Renatal. Partez à sa recherche, restez sur vos gardes. Je me charge de faire mander l'accusatrice avec tous les alliés qu'elle pourra rassembler. Et bien des choses à vous aussi, très cher. Utiliser un miroir pour entrer à la tombe vice.